Savez-vous que parmi les 1000 qui êtes ici, en sortant d'ici, vous ne saurez faire aucun métier. Est-ce que vous en avez conscience? Oui. Plus mitigé, là. C'est ça la réalité de nos vies. C'est que chaque jour de la semaine, pendant près de 20 ans, vous sortez de la maison. Vos parents payent, se démènent pour payer. Vous fournissez des efforts extraordinaires pour obtenir des parchemins. Et à la fin de la journée, vous retrouvez vos parents à la maison qui vous nourrissent, qui n'ont pas vos diplômes. Est-ce que c'est acceptable? Est-ce qu'on va continuer comme ça longtemps? Est-ce que c'est comme ça qu'on va construire l'avenir de l'Afrique? J'ai envie de vous entendre là-dessus, parce que c'est de vous qu'il s'agit. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème? Pourquoi voulez-vous qu'on se taise? Est-ce qu'on doit continuer comme ça tout le temps? Eh bien, on est d'accord au moins pour ça. Ce qu'on est venu faire ici, c'est remettre en question le modèle dans lequel vous vous êtes embarqué. Un modèle qui ne marche pas. Il n'est pas logique que sur 1000 personnes qui ont perdu 18 années de leur vie, il y ait juste 7 qui trouvent un boulot. Il y a juste 7 qui viennent en aide à leurs parents qui ont sacrifié leur vie pour eux. Que sur 1000 personnes, on passe le temps à citer des philosophes, des penseurs d'un autre siècle, d'une autre région qu'ils ne connaissaient même pas, placer l'Afrique sur une carte. Et que l'on retrouve nos parents à la maison qui payent à manger pour nous. L'école que nous voulons doit correspondre à quelque chose qui vous donne un avenir, qui vous permette de construire votre continent, qui permette d'installer le respect dont nous avons besoin. Je sais que ce type d'aventure suscite beaucoup de critiques, énormément de critiques. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Pourquoi? Pour qui se prennent-ils? Qu'est-ce qu'ils en savent? Quel diplôme ils ont? Qu'est-ce qui leur donne le droit, la légitimité de remettre en cause quelque chose qui dure depuis des années? L'école de Jules Ferry. Nous, on ne connaît pas Jules Ferry, il ne connaît pas, il ne connaissait pas l'Afrique. Nous voulons une autre école pour vous. Est-ce que vous avez la même envie que nous?